Eh bien, salut tout le monde, c'est Matotti, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 27, je crois, de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dans le dernier épisode, nous avions combattu la dernière créature divine. Autre chose, avant de débuter l'épisode, j'ai encore un petit peu touché à mon son, et je pense que là, ce sera la dernière fois. Donc, petit récap. Dans cet épisode, nous allons récupérer un souvenir. Je me suis placé ici, hein, tout simplement, comme ça vous voyez sur la carte. Ensuite, on va aller faire ce sanctuaire qui est juste là. Et après ça, je pense que je ferai celui-ci. On récupérera le sanctuaire qu'il y a tout là-haut, excusez-moi. Et une fois récupéré ce sanctuaire, on ira dans le château d'Hyrule parce qu'il y a un sanctuaire à cet endroit-là aussi. J'attendais de faire toutes les créatures divines avant d'aller au château d'Hyrule parce qu'on a pas mal de choses à faire. Donc honnêtement, on a un épisode assez chargé, donc c'est parti pour le souvenir. À tout à l'heure. On est de nuit, hein, c'est sympa. Bon, allez, je me tue. Cette blessure n'a pas l'air trop sérieuse. Mais tu devrais peut-être faire plus attention. Tu as beau être fort, tu n'es pas immortel. Les rapports récents indiquent que les monstres se font chaque jour plus agressifs et que des espèces encore plus redoutables font leur apparition. C'est inquiétant. Se pourrait-il que ce soit là un signe annonciateur de la résurrection de Ganon ? Allons, ne traînons pas. Mieux vaut nous attendre au pire. Nous n'en serons que mieux préparés quand ce jour arrivera. Eh bien, excusez-moi, j'ai été un petit peu dérangé, j'ai eu un appel chronopost alors que je n'ai rien commandé. La cinématique était assez intéressante, on a vu Link battre plein de Linel, bon, assez incroyable. Voilà, j'ai pas fait gaffe à mon son, j'ai un peu saturé, mais c'est pas grave. Bon, on va au point de téléportation que j'ai déposé. Donc, une fois téléporté ici, vous allez ici, voilà, je me souviens bien de ce sanctuaire hein, qui est pas bien compliqué. Et on va dégager ça. Alors oui, dans le dernier épisode aussi, j'ai ramassé 100 Korogo et j'ai fait le tour de tous les villages pour déclencher des quêtes éventuellement et ce genre de choses. Donc je pense qu'en début d'épisode, là, vous aurez eu un petit condensé de quêtes qui se sont résolues en parlant aux villageois tout simplement. Il y en a plein qu'on peut faire maintenant, mais on fera un épisode exprès pour ça. Donc, contrôler le vent. Hein. Alors attendez, avant de faire quoi que ce soit, est-ce que ici il y a... Non, bon ok. J'ai pas l'impression d'en avoir vu, de toute façon on verra en ramassant les coffres. Alors, une feuille. Ouais, je sais, mais bon, la feuille en vrai maintenant on s'en fiche un petit peu. Je vais laisser le balai, et ensuite je vais tèche la feuille. Le balai, pour rappel, il est très important. Hein. Il est là depuis le début. Est-ce qu'on a déjà pris la feuille en photo? Oui, bien sûr.
Alors, ah. Oh mais non. Oh non, va falloir que je délaisse de quelque chose. Je préfère la délaisser pour une torche que je retrouverai plus tard. Oh là, ça m'emmerde ça. Alors, vite. Nickel. Ya, fonce. T'es sérieux? Allez. Hop. Allez, on fonce. Voilà. Ça a l'air terrible. Allez. Oh là, ça m'a pas plu ça. Est-ce que tu veux bien te détendre? Ça a l'air bien compliqué, cette affaire. Et j'ai pas trop confiance en vrai. Attendez. Oh, salut. Alors toi. Voilà. Très bien. Il y a lui qui est juste là. On va aller le terrasser. Toi t'es où? Voilà. Bon, nickel. Rien de bien compliqué. Alors, bon, je suppose que c'était un peu le danger en allant là. Ouais, mais toi là, tu me fais porter crainte. Tu vois ce que je veux dire? Alors, attendez, parce que j'avais vu l'échelle ici. Là, il y a un vide intersidéral. Il y a ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? D'accord. Et là-bas, il y a un coffre. On va essayer de se débrouiller pour y aller au coffre. Alors, attendez. Ouais, par là. Allez. Mais du coup, elle servait à quoi cette bombe? Juste à faire flipper? J'espère pas quand même. Yo! Oh yes! Oh, j'ai cru que j'allais me louper. Il y a quoi dans ce coffre du coup? 300 rubis, c'est nice ça. Est-ce qu'on a. Non, bien sûr. Oh là, mince. Bon. On va le rappeler, je pense qu'on peut. Alors, toc, toc et toc. Je suppose, ouais, mais. Si je fais ça, je suppose qu'il retourne à sa place initiale. Oh ouais. Il y a un truc là-haut. J'ai l'impression qu'on va grimper là-haut. Je sais pas où. Mais bon. Alors. On va en face. Nickel. Hop. Alors, quand on arrive ici, qu'est-ce qu'il y a? Je vois que dalle. Pas de coffre, ni de quoi que ce soit. Ah, il nous faut une clé. D'accord, bon. Alors. Salut. Non, ça. Voilà. J'ai vu qu'il fallait une bombe. Alors attention, on va reculer un petit peu. Oh là, Link. Cours. Bon. On va reprendre la faille parce que je suppose qu'on va en avoir besoin. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Déjà, il y a un coffre ici qu'on va aller récupérer. J'en ai vu un autre. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Je serais assez triste si. Ouais, bon, voilà. 22. Est-ce qu'on a un truc en dessous de 22? C'est quoi? Je préfère perdre toi plutôt que le reste. Ok, bon. On peut jeter ça et récupérer ça. Maintenant, on va aller ici, même s'il y a des choses très intéressantes que j'ai vues. Ok, ça a servi à quoi de faire ça? Ah, c'est si on veut retourner en arrière. Très bien. Alors bon, on grimpe. Je vois d'autres choses qui m'interpellent d'ailleurs. Hein. Hop. Ouais, t'inquiète. La chose qui m'interpelle, elle est juste derrière là. Y a pas un coffre éventuellement? Non, bon. Ça aurait pu être assez traître, justement. Alors, on grimpe. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Que dalle. C'est un sacré sanctuaire, ça, quand même. Sacré, sacré, hein. Ouais, bon. Et ça? Ah, ok. Bah, écoute, frérot. Tu vas aller là-bas déjà récupérer ce coffre. Voilà. Et hop là. Oh. C'est terrible. Ok. Oh, un cœur géant antique. Et il nous manque un coffre. À mon avis, c'est là où il y a la clé. Alors, on va aller par là. On va ensuite lui demander d'aller là. Non, mais arrête. Là-bas, plutôt. Oh là, ça fait n'importe quoi.
Alors. Voilà. Et là-bas. Va là-bas. Non, il va en péter un. Oh, même pas. Eh, c'est effrayant, ça. Arrête! Mais arrête! Non! Ne! Oh là! Purée. Voilà! Oh là! Ça fait 4 ou 5 fois que je réessaye. Toi, tu... D'accord. Ok. Tu m'emmènes là. Oh là! Il y a d'autres choses ici. Attendez, 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 attendez. Toi, t'as l'air d'être un raccourci. Un raccourci, sa mère. Oh putain. D'accord, j'ai capté. Ok. Bon. Eh bien, re, voilà. Je pense que vous auriez vu un peu ce carnage que je viens de faire. Donc, maintenant, allez, le dernier coffre qui est juste là-bas. Ah, d'accord. Allez, grimpe. Nickel. Alors, on a ça ici. Pourquoi il y a un escalier là? C'est perturbant. Ça me perturbe. On prend ça. Il doit y avoir une clé dedans. Ouais, c'est ça. Et nous manque un coffre. Ah merde. Je sais pas où il est là du coup. Je vous fais une ellipse le temps que je trouve alors. Ah regardez. En fait j'étais là-haut là avec le vent. Et je suis allé jusqu'ici. Et là il y a un coffre. J'ai l'impression hein. Ouais. J'espère que c'est lui le dernier parce que s'il en manque un je vais être triste. Ok, 22 et c'est une arme électrique. Ouais, allez, on prend ça. Et là, normalement, on a tous les coffres. Et si on les a pas tous, je risque d'être fortement déçu. Oui, on les a tous. Yeah, est-ce que je peux... Non. Alors, on va voir... Non, je l'ai pas en photo, celui-là. Nickel. Maintenant, on va rejeter ça. Non, rejeter celui-là. Et prendre celui-ci. Et lui, on va voir si je l'ai déjà en photo. Oui, bon. On continue. Eh ben, on a eu un sacré sanctuaire au départ là quand même. Hein. Bon. Allez, c'est parti. On récupère l'emblème du triomphe et ensuite on va à un autre sanctuaire. Eh bien, voilà, on se retrouve ici. Alors attendez, je vais vous montrer sur la carte. Juste, j'en profite pour ça. On est ici, voilà. Donc, on va aller au point rouge, et le point rouge, il est juste sur ma droite, là. Alors, hop, on y va, on passe par là, voilà. Bah vous savez quoi, je vais y aller en accéléré, tout simplement. Allez, à de suite. Eh bien, re, ouais, je me suis décalé pour découvrir le pont si jamais c'était pas fait. Et on va parler à ce monsieur. Alors, monsieur le pélican. Non, c'est pas un pélican, c'est plus un perroquet. Disgracieux perroquet. Non, il est pas disgracieux. Quand deux roues d'une flèche auront été percées, l'épreuve du héros te sera révélée. Quand deux roues d'une flèche seront percées. Quand deux roues. Très bien, je sais. Je me souviens. Vous allez voir. Les deux roues. Alors en fait, par ici, il y a un endroit où on voit deux cercles qui se regardent plus ou moins de mémoire. Et on doit arriver à y tirer une seule flèche pour deux. Et de mémoire. C'en est un qui est pas trop loin d'ici. Mais moi, il y en a un par là. Ah, il me semble que c'est genre.
Oh, il y a un champignon, on va le prendre. Il me semble que c'est, par exemple, il n'y en a pas un par là, là? Ah, si. Celui-là. Et lui, j'ai l'impression qu'il doit passer. Ah ouais, d'accord. Et si je fais comme ça passe? Oh là, légèrement à gauche. Nickel. Mais voilà, c'était celui-ci. Maintenant, mon souvenir était. Enfin, je me souvenais que c'était ça. La quête, hein, que c'était une flèche qui devait passer. Et le lieu, en plus, l'endroit même, quasiment, je m'en suis rappelé. Donc voilà. Pas bien compliqué ce sanctuaire. Donc, à mon avis, on aura à l'intérieur une énigme à faire quand même. Je l'espère pas en vrai, hein, mais ça pencherait plus pour que si. Je veux juste voir si on voit pas des flèches qui seraient tombées aussi. Oh, tiens, on en a une là. Et une qui serait. Non, trop loin. Bon, d'accord. Au moins, on aura vérifié. Alors, attendez, du coup, je vais enlever ça. Parce que ça, voilà. Hop. On entre dans le sanctuaire. C'est parti. À de suite. Mouvement parallèle. Donc, ça fait quoi? D'accord. Et ça fait quoi? Je sais pas. D'accord. Qu'est-ce que t'as fait? Ne! Et comment on fait pour le... Ok, mais bah, il y en a un qui est arrivé de sûr. Ok, toi. Voilà. Oh, un peu plus si on y arrivait. J'avais presque réussi du premier coup, hein, en vrai. Il y a un truc là-bas en bas. Ouais, mais d'accord, mais j'ai vu un truc en bas. J'ai vu un truc ici, là. Voilà. Ça. C'est le seul coffre, certainement. Oh, 32. Ouais, bah écoute, j'en ai déjà un. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déposer celui-ci qui me semble un peu plus. Ouais, d'accord. Un peu plus faible, puisque lui, il avait un truc de. Ouais. Vous voyez, il a un diamant. Donc bon. Ne! Oh non! Vous avez une ellipse, hein? Eh bien, voilà, hein, je vous ai fait une ellipse carrément jusqu'à la remontée. Hein, vous avez pas vu le trajet, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. Nous récupérons l'emblème de triomphe et nous nous retrouvons à un autre point. Je pense savoir même où aller. Ouais, si, je sais, je sais. Ok. Bon, vous allez voir. Eh bien, voilà, j'ai fait ce sanctuaire maintenant, comme ça il n'était plus à faire. On va faire l'énigme et ensuite j'arrêterai ma première partie d'épisode. On a fait trois sanctuaires au départ, là, enfin, pour le moment, hein, si on arrive à faire celui-ci. Donc ce sera vraiment pas trop mal. Oh, épreuve extrême de force, en plus ça va, c'est pas bien compliqué. Donc du coup, bah, je vous fais un accéléré pour faire cette épreuve extrême. Allez, à de suite. Attendez, on va prendre ça. Voilà. Hop, à de suite. Eh bien, revoilà. Je l'ai défoncé, hein. Alors, on va juste voir. Prendre cette arme qui est, elle m'a dit qu'elle était plus puissante. Oh oui, 65. Attendez, oh là là, il y a là, il y a
Ok, bon, ça va. 65 de dégâts. Oh là, c'est rare qu'on ait. On a au-dessus de l'épée de légende. On n'a jamais eu au-dessus, je crois. Bon. Sachez que dans ma partie personnelle, j'ai une arme qui fait 101 de dégâts. Donc, je sais même pas comment je l'ai obtenue. Mais voilà, sachez qu'elle existe. Et on obtient un saphir, un rubis plutôt. Donc, mesdames, messieurs, on va récupérer l'emblème de triomphe et moi je vais me téléporter ici. Et ensuite, enfin, durant la téléportation, vous allez avoir une ellipse. Et cette ellipse, il y aura eu certainement un délai entre ce moment-là et l'ellipse parce que je vais arrêter ma première partie de vidéo et je vais en profiter pour aller faire un petit tour, etc. Donc, je vous dis à de suite, mais un tout à l'heure quand même. Voilà, allez. Eh bien, voilà, alors, moi, entre la dernière ellipse qu'il y a eu, il s'est passé quelques heures quand même. Donc, vous voyez, on est assez proche du château. C'est vrai que nous, on a très rarement rodé au bord comme ça. Et donc, on va aller au point bleu, parce que au point bleu, il y a un sanctuaire assez cadeau à faire également. Il me semble qu'au tout début du let's play, quand je suis allé récupérer ce sanctuaire, je vous avais dit, ah, bah, par là-bas, bah, il y a un sanctuaire, donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas à le faire, parce que celui qu'on va aller, quand j'ai refait quelques fois le jeu pour m'amuser ou quoi, eh ben, c'était l'un des premiers que je faisais également. Mais celui qu'on fera juste après celui-ci était l'un des premiers que je faisais également. Également, voilà. Donc, allons au point bleu. Alors, vous voyez cette petite colline avec l'arbre, là? Ben c'est juste ici, et vous allez voir, alors faites gaffe parce que, vous voyez, il y a plein de gardiens, et pour moi, les gardiens les plus durs, c'est ceux qui volent, hein. C'est les plus chiants, selon moi. Donc, voilà. Une fois que vous êtes ici, vous allez légèrement sur la gauche, alors de mémoire, on va avoir besoin de flèches de feu, et bingo. Bingo, bingo. Allez, hop là. Et maintenant... Je vais me placer ici. C'est où qu'il est? Ah, il est là. Ok. Alors, normalement, on va pouvoir planer, voilà. Alors, il y a des petits lags. C'est normal. On va prendre une flèche explosive. On va reprendre ceci. Et on va y aller comme ça. Voilà. Bon. Alors, on va prendre des bombes. Et on va casser ces trucs. Nickel. Bon. Petit sanctuaire assez sympa à récupérer. Tiens, d'ailleurs, en voyant les poissons, là, regardez, j'avais fait chauffer un petit peu des trucs. Vous voyez? Et on aura des petits plats à faire aussi selon certaines quêtes. Alors, attendez, je vois un truc, là. Est-ce que ça, c'est des trucs à prendre en photo? Moi, j'en sais rien. Bref. Allez, on entre dans ce fameux sanctuaire. Ah, il y a une flèche ici. Ah, mais il y a d'autres choses, là. Oh, attendez. On va exploser tout ça aussi. Alors attendez, je vais juste prendre les bois, parce que les bois, on risque d'en avoir besoin à l'avenir. Alors, oh là, hop, on récupère tout un tas de choses. Ah ben ça, ça s'est consumé, très bien. Attendez, je crois que je vois une flèche là. Non, bon, très bien. Allez, on y va. On y va, on y va. Oh, j'ai vu un truc que j'ai oublié de ramasser. Attendez, non, il est juste là. Oh, un rubis. C'est cool ça. Bon, allez, c'est parti. Épreuve basique de force. Oh là là, mais lui, on va lui mettre tarif, en fait. On va lui mettre tarif. Alors, je m'excuse avec mon nez, hein, je suis encore enrhumé. Voilà, voilà. Alors, monstre basique, basique. Alors, attendez, est-ce que lui, on l'a en photo? Oui. Hop, ok. Et boum. Calme-toi, frérot. Ah bah tiens, vas-y, viens, hein. Moi ça m'arrange. En plus on défonce assez rapidement. Boum, boum. Voilà. C'était lequel qu'on a pris? Le 60. Toi tu vaux combien? Oh, pas grand chose apparemment. Bon. Très très bien. Eh ben. Sanctuaire assez facile. Du coup. Du coup, du coup. Et je viens de m'en rendre compte, mais c'est notre 100e sanctuaire. Eh, plus que 20. Oh, un bouclier. On a un bouclier badass quand même. Allez, on y va. Et donc, voilà, on rodait pas beaucoup autour du château depuis le début du let's play, hein, sauf une fois ou deux. Mais donc là, on va carrément rentrer dedans.
Et donc on va avoir une toute petite cinématique, enfin bref, vous allez bien voir, à de suite. Donc, mesdames, messieurs, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à l'entrée du château, carrément, on va pas y aller en planant comme ça. Donc, je vous fais un accéléré jusqu'à son entrée, sa porte, ses ouvertures, enfin bref, exploitez le mot que vous Sers-toi le préférez. démarrage quand tu Je veux. vous dis à de suite. Quelle cinématique incroyable. Nous allons ouvrir cette porte, voilà. Mais on va pas aller n'importe où. On va attendre que lui y passe. On va aller... Oh là là, il me fait un peu peur. Ouais, voilà. On va aller par là-bas. Donc vous voyez, on a le château comme une sorte de donjon. Oui, enfin, fous-moi la paix, toi. Donc voilà. On va devoir aller à l'entrée qui a quasiment tout au nord, je crois. Donc bon, peut-être que je vais y aller en accéléré, j'en sais rien. Oh yes. Vous avez vu d'ailleurs, j'en ai battu pas mal des gardiens comme ça. Donc c'est un petit coup à prendre, hein. Moi j'ai l'habitude au départ, là, quand je jouais au jeu au tout départ, je galérais un petit peu, mais voilà, on a très très vite le coup de main quand même. Donc, voilà, on va traîner durant ces prochains épisodes parfois dans le château tout simplement. Alors attendez, parce que du coup il y a un coffre ici. Voilà, si on voit, on prend. Hein, je suis pas non plus juste là pour regarder. Donc, où est-ce qu'on en est là? Il y a une porte sur le dessus, mais c'est pas celle-ci qui m'intéresse. Donc si on continue, on peut entrer et sortir du château comme on veut, il n'y a pas de temps de chargement, sauf si on sort en appuyant sur start et faire sortir. Hop, voilà. Alors il y a quoi là-dedans? Alors tout ce que je prendrai pas, c'est juste les Korogu, hein. Je sais qu'il y en a dans le château, mais voilà, je ne les prendrai pas. Ah mince. Ah ça veut dire qu'il faut passer au-dessus. Bon. Bon. Ah, l'épée de légende est revenue. C'est quand même mieux quand on est ici. Alors sachez que l'épée de légende, quand vous serez dans le château, elle sera toujours à 60 si vous n'avez pas fait les épreuves. Parce que il y a des gardiens de partout, etc. Et l'épée augmente de puissance quand il y a les gardiens. Donc, alors, on est ici. Il y a un gardien là-bas, il a l'air un peu pénible. Alors, où est-ce qu'on est là? J'ai bien l'impression qu'on peut rentrer par là. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non. Non. Ah, on va traverser en planant. Alors, c'est parti. Mon kiki. Hop là. Nickel. Alors, il y a lui, il va certainement nous griller, hein, honnêtement. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, non, il nous fout la paix. Bah moi, ça m'arrange. Hein. Honnêtement, alors, vous voyez, on voit un petit truc rose par là, c'est qu'il y a une porte. Oh, salut toi. Oh, j'ai eu peur. Mon ordi, il a pété les plombs d'un coup. Donc, on va rentrer ici.
Oh, il y a deux coffres déjà. Ah non, un seul. Donc on entre ici. On a des flèches explosives. Putain, j'avoue, mon ordi, là, il m'a clairement fait flipper. Alors toi, couché. Voilà. Et on va faire ceci, voilà. Nickel, alors ça, vous connaissez, hein, on a déjà vu. Il y a un Korogu juste là, comme ça, vous le savez. Alors, quand on arrive ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chemin, normalement, par là. Ah, mais il y a un boss. Ah, mais c'est pas du tout là. Oh, je vous fais une ellipse. Alors bon, étant donné les circonstances... Ah, attendez, quoique, si je passe là-haut... parce que, attendez, on va regarder la carte 2 secondes. Ah ouais, ouais, ouais. D'accord, je capte. Bon, on va essayer de remonter par là. Alors là, il y a un Inox, si jamais. Ah, on va s'en foutre un petit peu. Oui, voilà. Salut l'Inox. Bon. Une fois qu'on arrive là, parce que je disais qu'il fallait rentrer par là, mais en fait, du coup, non. Salut. Tiens, c'est marrant. Où est-ce que tu vas nous mener, toi? On va garder, je pense, l'appareil photo. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, putain. On est pile poil à l'endroit où je désirais. Alors, on arrive au grand hall, et normalement, par là, voilà, il y a des passages secrets. Alors, on va ignorer clairement les ennemis, et je crois que c'est celui-ci. Non, ce n'est pas celui-ci. Oh putain, j'ai... Attendez, je veux ça, moi. Il y a des flèches et tout, des pommes et tout. Alors, si c'est pas lui, c'est celui-ci. Hop. Allez. Ne. Oh putain, j'ai réussi à passer. Nickel, c'est ici. Voilà. Et donc, on va obtenir le sanctuaire, ici. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir... le sanctuaire. Vous allez prendre une flèche de feu et vous allez viser ici. Voilà. Et là, vous allez débloquer le sanctuaire. Rien de plus simple à faire. Alors, j'avoue que là, je crois pas qu'il y ait une quête qui nous le dit. Je pense qu'il faut juste le comprendre. Donc, on va y aller. Et on aura un dernier truc à faire dans le château. Et cette fois-ci, je vous le ferai en accéléré parce que je sais plus trop où c'est. Mais bon, avant de faire ce que je veux, on va tout simplement s'occuper de ce fameux sanctuaire dans le château. Alors, épreuve extrême de force. Oh là, bon, très bien. Puisque c'est ainsi. Puisque c'est ainsi. Alors, bah vous avez un accéléré durant cette épreuve extrême. Voilà, voilà. Bon, à de suite. Et bien heureux, voilà, on vient de finir à l'instant. Donc, on va récupérer cet emblème du triomphe et ensuite nous irons... Enfin, ensuite je vous ferai un accéléré parce qu'il y a une dernière chose que j'aimerais récupérer dans ce château. Donc, voilà, voilà. Alors, récupérons cet emblème du triomphe. En plus, on a popé assez loin de la salle. Alors, et si je fais comme ça? Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Alors, je suppose une arme. Une arme de feu de 24. Est-ce que j'ai, parmi les armes, une inférieure à 24? Non, mais je préfère une épée qu'une lance, donc on va prendre l'épée que je ne pense pas avoir en photo. Alors on va ah si, je l'ai déjà en photo, et celui-là aussi. Voilà, donc c'est parti, on récupère l'emblème du triomphe et une fois de retour au château, vous avez un accéléré pour quelque chose en particulier. Eh bien, finalement, j'ai préféré sortir parce que j'avais pas fait gaffe au nombre de temps que moi j'enregistrais. Et tout simplement, parce que de toute façon, dans le prochain épisode, on y retournera certainement faire les deux choses qu'il y a à faire. Il y a deux choses, en fait, dans le château à faire. Une que je comptais pas faire maintenant, et bref. On a deux petites choses à faire. Et donc, dans le prochain épisode, on fera d'autres sanctuaires. Je sais qu'il y en a un par là, à mon avis, on le fera. Je sais qu'il y en a un autre de mémoire, je crois qu'il est là, donc on ira, et je sais plus, ah si, il y en a un par là de mémoire,
Donc on le fera aussi. Donc voilà, je sais où est-ce qu'il y en a au moins 3. Donc je me renseignerai, voir si on a, si on n'a pas d'autres. Et donc avant de nous quitter, on va tout simplement récupérer des cœurs en plus. Et si on va faire une dernière chose, faudra aller au village des limites. Comme ça, on fera la chose en question. Et on s'arrêtera. Alors, hop, on a un cœur en plus. Donc on va encore en reprendre un. C'est parti. Un cœur en plus. Oui. Alors, ça nous fera. Il nous manquera 3 cœurs pour en arriver aux 30 cœurs. Donc il nous manque 8, 9, 10, 11 sanctuaires. Bon, on va au village des limites, à de suite. Bon, on est de retour ici. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il y a deux choses à faire dans ce village. Alors, dans un premier temps, je crois qu'il y a un truc par là, non? Attendez, je check un peu. Bon. Déjà, il y a ici, il y a lui là. Salut. Tu fais quoi? Du boulot? Non, ah, je voulais pas te parler. Il n'y a pas quelqu'un là normalement? Par là? De mémoire? Non. Il faut que je déclenche des quêtes pour cela? Ah, si, il est là lui. Bonjour, toi. Voilà. Tu fais quoi? J'achète la maison. Voilà. Alors, oh là, ça coûte cher, bien sûr. Tu as un moyen? Non, j'ai pas vraiment les moyens, mais 3000 rubis. Ouais, en 30 fois. Oh là. Bon, en gros, on achète cette maison et ça va devenir la maison de Link, le maître du bois. Bonjour. Combien de bois il lui faut? Bon, on va attendre. En attendant ça, je sais qu'il y a un truc par là, normalement. Alors attendez. Là, regardez, il y a un petit chemin, normalement. Et dans ce petit chemin, voilà. Il y a ça. Ça, on va lui parler. Et vous voyez, c'est une statue de la déesse démoniaque. Et en fait, elle va me voler un cœur de mémoire. Et en fait, elle nous dira, ouais, il faudra que tu aies tant de cœurs pour revenir récupérer ton cœur. Et en fait, on a le nombre de cœurs nécessaire. Donc, enfin, je pense, hein, je suppose, hein, je suis quasiment à la fin du jeu. réceptacle. Ouais, bonjour. Rends-le-moi. Et tu croyais, nanana. Cœur. Ça marche, bouge pas. Et là, elle va me le rendre et normalement, ça va être fini. Voilà. C'était une petite quête simple à faire quand on est à ce stade-là du jeu. Voilà. Et c'est génial. 120, oui. Oui. Statut maléfique résolu. Bon, voilà. Je sais ça parce que je l'ai fait moi à la toute fin du jeu. Je n'avais pas connu l'existence de cette chose. Et je l'ai su que, au même moment quasiment. Quand j'avais fait le jeu de mon côté. Donc, maintenant, on arrive ici et... salut. Je paie. Tiens, 30 fagots, je les ai. C'est nickel. 3000 rubis. D'accord. Là, maintenant, si je te reparle, j'ai... Ah, j'ai pas 3000 rubis. Oh là, faudra que je vende pour en avoir. Bon. C'est tout ce que je voulais faire. Donc maintenant, mesdames, messieurs, ben on va s'arrêter pour cet épisode-ci. Et moi, je vais placer d'autres sanctuaires. Je sais que, comme je disais, il y en a un par là, il y en a un autre par là, et un autre ici. Voilà. Ça, je m'en souviens. Il doit être par là, là-dedans, quelque part. Donc, voili-voilou. Ah, et d'autant plus qu'il y en a un autre normalement par là aussi. Ah ben voilà, je sais où est-ce qu'il y a au moins 4 sanctuaires. Bon, mesdames, messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à parler de moi autour de vous, à laisser un commentaire, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube tout simplement. Voilà. Sur ce, moi je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde.